Bonjour Guillaume. Ouais, bonjour. Donc l'exposition s'appelle Moucharabier. D'accord, c'est sur une série qui est juste derrière. Exactement, ouais, c'est une série faite avec des nus vus à travers une espèce de chose bizarre qu'on appelle le moucharabier et qui sont des fenêtres orientales sur lesquelles la lumière passe, à travers laquelle la lumière passe et on voit sans vraiment voir les gens, les nus, les corps. Et ça m'a bien plu parce que c'est toujours dans cette idée de voir sans voir et que la lumière soit intéressante. Elle vient de se projeter sur les zones de corps que j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Le voilé, dévoilé. Ouais. Et c'est marrant, c'est une des séries que j'ai appelée comme ça, voilé, dévoilé. Oui, c'est aussi l'histoire de la peinture, là, chaque fois les couches qu'on met, qu'on enlève. Oui, c'est vrai. Suzanne Aubin aussi, le rapport à la nudité en règle générale. Ah ouais. Mais j'ai, comme tu l'as vu, j'ai un rapport à la nudité qui est assez tranquille. Mais non, mais toute ma technique lumineuse et toute ma technique que j'ai appliquée à mon travail, c'est aussi de montrer des choses sans tout montrer. Et ça, j'aime bien l'idée. Il y a aussi l'œuvre de Marcel Duchamp qui s'appelle Étant donné, où il regarde à travers un œillet. Ouais, c'est un peu ça. Ben oui. C'est un peu ça. Mais ça doit être mon côté un peu voyeur, peut-être. Ah bon? Oui, j'ai un côté un peu voyeur, j'aime bien. De toute façon, en tant que photographe, oui, en tant qu'artiste, forcément, il y a toujours cette question-là. La chance se filtre. C'est bien. L'image aussi, c'est... Non, c'est tout. Le jeu de regard. Oui, tout à fait.